je vous l'ai promis, eh bien, on va parler de autre chose que de la politique. Parce que bon, voilà, à un moment donné, il y a quand même ras-le-bol. Sans plus attendre, c'est parti. Après être investi, le frère de François Hollande est mort. Quelle tristesse. C'est surtout que vu qu'il n'est plus président de la République, eh bien tout le monde s'en fout. Et du côté du nouveau président, d'ailleurs, eh bien on a élu le premier ministre, Édouard Philippe. C'est celui qu'on va entendre parler pendant au moins quelques années dans les médias. Il y a aussi tous les autres ministres dont en voici une liste partielle pour bien vous faire patienter. Voilà. J'aime bien faire chez les gens. Et également, ce nouveau président, eh bien, a fait des visites chez des blessés déjà. Et chez la CIO, enfin le truc olympique, là vous savez très bien bordel, hein. Ensuite, si comme moi, eh bien, vous avez lu la presse high-tech, eh bien vous n'avez pas pu passer à côté de ce virus-là. Ebola, édition 2017. Non, je déconne. C'est bien sûr le fameux virus WannaCry. Un virus qui en gros, pour les plus nuls encore une fois, eh bien crypte les données de l'ordinateur Windows, hein, et demande beaucoup de thunes à beaucoup de grandes entreprises. Première canicule nationale, et je précise tout de même que ce n'est pas du tout prêt à s'arrêter jusqu'à septembre-octobre. Info pas importante du tout, mais quand même, je le mets parce que je sais pas pourquoi. Eh bien, celui qui a marqué notre enfance de ceux des années 90 jusqu'à ceux des années 2010, je veux parler bien sûr de David Pujadas, putain, eh bien, il s'est fait virer. Bordel, c'est bien France Télévisions en ce moment, voilà. C'est la fin. En fait, je sais même pas si ça fait 1 minute 30, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a quelques jours, eh bien, s'est déroulé et se déroule même en ce moment le fameux festival, le festival de Cannes. Bon, tout le monde connaît déjà ce truc, pas besoin d'expliquer, hein. Alors déjà, eh bien, on va commencer par celle qui maîtrise, qui maîtresse, enfin, je sais pas, la maîtresse de cérémonie de cette merde-là, eh bien, c'est cette année-là Monica Bellucci. Ancienne mannequin, aussi connue avec Peggy 18. Enfin bref, il y a eu aussi l'affaire Netflix, une affaire qui je pensais allait s'étouffer un peu comme ça, mais bon, en fait pas du tout. En gros, eh bien les films Netflix, la plateforme, eh bien, ils sont pas diffusés dans les salles. Alors en fait ils sont représentés au festival lui-même. Alors du coup ça a gueulé de partout. Et la prochaine fois, eh bien il faut que ces films sortent en salle tout simplement parce que sinon ça seront pas acceptés. Voilà. Et donnez d'ailleurs, eh bien des films, oui, des films de cul, eh bien parlons-en. Ah oui, quand même, je dois préciser quelque chose, je ne connais que d'Alain Ciné. Et oui, ça existe vraiment des personnes comme ça. Bref, en sélection officielle, eh bien on a trois films venant de chez nous. De la France, Rodin, Le Redoutable et L'Amant Double. D'ailleurs, je veux revenir sur ce deuxième film. Ce film-là, eh bien, il a été adapté d'un livre normal, un an après, et ce livre a été noté 3 sur 5. Et là, je veux dire, comment on notait les livres? C'est pas possible. Pourtant, ils sont plus experts que nous en racontage d'histoire. Et sinon, à part les films, on n'a plus rien, non? Ou alors, vous savez quoi? Il est temps de relancer la rubrique qu'on n'a pas lancée depuis... longtemps. Allons sur le réseau social que tout le monde connaît, qui est Twitter. Voilà, je l'ai bien dit, oui. Sur Twitter, eh bien, ça blablate. Ça blablate de tétons, de sexe, de cul, de tout ce que tu veux. Ça parle du fameux Red Carpet. Et à part ça, eh bien, il y a trop de tweets venant de multinationales comme on les aime bien. Et c'est tout. Voilà, c'était Cannes sur Twitter et en gros plan. Hein, enfin, en gros, voilà, en général. Et pour finir, eh bien, sachez que ce festival dure, bordel, une dizaine de jours. Et donc, voilà, vous savez presque rien, déjà, sur ce festival. Il était temps de lancer ce que je n'ai pas lancé depuis un milliard d'années, c'est-à-dire le zapping des infos. Allons-y tout de suite. Pour la recomposition politique voulue, engagée par le président de la République ce soir, annonce du gouvernement, demain bouclage des investitures République en marche. Quelle place pour des élus, les Républicains? Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Stratégique, je conduirai dans les années à venir pour ce qui est du Mali et que je compte intensifier dans les prochaines semaines. Je vais maintenant répondre à toutes les questions que vous vous posez. Le gouvernement d'Édouard Philippe devrait prendre des ordonnances sur ces mesures avant la fin du mois de juillet.
aller vite pour profiter de la dynamique de l'élection, mais peut-être aussi pour éviter des mouvements sociaux. Ils avaient menacé la semaine dernière de faire exploser leur usine. Les employés de l'usine GM&S de la Creuse sont reçus aujourd'hui au ministère de l'économie. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Kinson. Avec son groupe Soundgarden, il avait été l'un des précurseurs du grunge dans les années 90. Chris Cornell est décédé à l'âge de 52 ans à Détroit. Christophe Persson, on n'a pas encore eu aussi chaud en 2017. Et non, les températures s'envolent aujourd'hui. On sera parfois 7 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Regardez le temps, nous sommes à Dieppe en Seine-Maritime avec simplement ces nuages élevés. C'est un petit peu le résumé du temps pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Eh bien, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Puisque voilà, en conclusion, eh bien, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Voilà, salut à tous et à la prochaine.